115 $, le baril de Brent de mer du Nord. Le pétrole coté à Londres atteint son taux le plus élevé depuis le 4 mai, sur fond de tensions au Moyen-Orient, en Syrie, en Iran, mais aussi de ralentissement économique mondial. Vendredi dernier, l'Agence internationale de l'énergie avait revu à la baisse ses prévisions de consommation mondiale d'or noir. Côté bourse, léger repli dans les places européennes. Le CAC 7, 0,45 points à Paris, moins 0,52 pour le DAX à Francfort. Et l'Eurostock 50 recule, lui, de 0,5 points. Dans l'ensemble, les marchés sont calmes, peu volatiles, toujours en attente d'une intervention de la BCE pour apaiser la crise dans la zone euro. On attend des mouvements plus significatifs demain, mardi, avec la publication des PIB européens. L'indicateur du jour reste le net ralentissement de l'économie au Japon avec 0,3 points de croissance au deuxième trimestre.